Le 6 mai prochain, Charles III sera couronné roi d'Angleterre devant plus de 2000 convives. Invité malgré les vives tensions des derniers mois, le prince Harry et son épouse Meghan Markle n'ont toujours pas officiellement répondu. Mais la duchesse pourrait bien éviter tout conflit en laissant son mari faire le déplacement seul. Le prince Harry et Meghan Markle seront-ils à Londres le 6 mai prochain? Charles III, sur le trône depuis le 8 septembre dernier et la mort d'Elisabeth II, sera enfin couronné roi d'Angleterre lors d'une cérémonie qui s'annonce grandiose, puisque ce sera le premier couronnement depuis 70 ans outre-Manche. Plus de 2000 personnes sont attendues au sein de l'abbaye de Westminster pour assister à la cérémonie, tandis que des centaines de milliers de curieux devraient se masser dans les rues de la capitale anglaise. Mais la présence du fils cadet du souverain reste entourée de mystères. Et pour cause, depuis leur documentaire Netflix et surtout les mémoires d'Harry, les Sussex semblent avoir brisé les derniers liens qui les unissaient à la famille royale. Malgré les révélations incendiaires de son fils, Charles III a bien transmis une invitation pour son couronnement. Par email, sont-ils prêts à affronter ce qui les attend? Mais pour le moment, le couple n'a pas officiellement donné sa réponse. Ils redoutent notamment un accueil glacial du reste de la famille, qui n'a évidemment pas digéré leur récente déclaration. Autre problème, le 6 mai correspond également à l'anniversaire de leur fils Archie, qui soufflera sa quatrième bougerie mais n'a pas été convié au couronnement. Si la présence du prince Harry ne fait guère de doute étant donné l'importance de la cérémonie, celle de son épouse est donc loin d'être assurée. D'autant que selon l'expert royal Paul Burrell, la duchesse de Sussex ne serait pas prête à affronter la situation, ce sera sans doute très inconfortable pour eux, surtout pour Meghan. Sont-ils prêts à affronter ce qui les attend? Je ne pense pas que Meghan soit suffisamment courageuse et forte pour être là. Il faudrait qu'elle regarde droit dans les yeux la famille qu'elle a poussée sous un bus, explique-t-il au Mirror. Mais je crois qu'Harry compte bien venir et elle lui a probablement dit qu'elle ne pourrait pas être à ses côtés s'il y va, ajoute-t-il. Le petit frère du prince William sera-t-il plus isolé que jamais au moment de voir son père être couronné ?